Donc, le titre de cette conférence pour nous est le titre d'une exposition qui était dans les années 94, ici à Gand, dans le SMAC. Et le titre de cette exposition était This is the show, and the show is many things. En effet, j'aime bien ce titre. L'exposition était géniale à cette époque-là, mais j'aime bien aussi le titre du fait que c'est un titre qui cache tous. Par contre, c'est très divers. Hein? This is a show and the show is many things. Voilà. On commence ici avec deux slides en rapport avec une situation particulière. C'était à l'époque quand j'étais encore professeur à l'EPFL à Lausanne, et on avait une sorte de review un jour, et pour le lunch, on a eu besoin d'une table. Par contre, tu vois que c'est plein de chaises de Ray et Charles Eames, mais il n'y avait pas une table. Aucune table était là. Bien sûr, tu connais les portes que vous avez là, et on a dû changer la position de ces chaises. Et tout à coup, c'était devenu un table. Et pour être honnête, c'était très confortable. L'auteur était exact. Et j'imagine que peut-être là, Ray et Charles Eames ont nous donné une sorte de secret en disant, si tu tournes les chaises, ça peut devenir un table. Enfin, c'est seulement une sorte de fantaisie que j'ai eue à ce moment-là. Mais pour nous, ça, c'est très important, des choses qui se passent comme ça ici. Tu vois, assez facile, assez pratique. Deuxième chose, deuxième projet ou idée, on aimerait partager sous le titre qui dit Faire, c'est dire. Ça, c'est une petite pièce d'art d'un ami de nous, Hans Timmermans. Et ce n'est pas particulier. Tu vois, il y a un projet pour une école, pour un réaménagement d'une école, dans lequel il a participé avec le bureau de Bart Hahn. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce qu'ils disent là. Mettre en jeu, en flamand, op het spel zetten. J'aime bien cette sorte d'idée qu'un architecte ou n'importe, pas seulement un architecte, surtout peut-être aussi dans la vie, il faut de temps en temps mettre les choses en jeu. Et ça se ligne avec un projet qu'on avait fait, c'était les années 94 aussi, je pense. C'était une commission d'un jeune type qui avait eu de ses parents une villa blanc dans les suburbs de Bruxelles. Et c'était une villa d'une certaine taille, d'une certaine qualité quand même, et avec un très grand jardin. Par contre, ce jeune homme, tout seul, avait l'idée que ce n'était pas assez grand, que c'était un peu trop petit. Il nous a invités, c'était à cette époque Patrick Moer, son et moi, à doubler, disons, le volume de cette maison. Et nous, on était là, on disait, oui, mais ça, c'est bizarre. Déjà, une telle villa, et c'est pas assez. Mais pour nous, pour les jeunes, c'était bien sûr, des jeunes architectes, c'était une commission assez, allez, disons, et immédiatement très importante. Mais on n'était pas, disons, d'accord ou pas confortable avec cette demande, et on a présenté quatre dessins comme celle-ci, qui citent une autre attitude, c'est-à-dire l'idée qu'on a présentée est en disant au client, tu sais, le problème n'est pas qu'il n'y a pas assez de mètres carrés, mais le problème est qu'il n'y a pas assez, disons, de volume d'intérieur. Donc l'hauteur entre le plafond et le rez-de-chaussée était assez bas. Et pour ça, on a réalisé cette carte dessin en lui invité dans une situation en disant, si on enlève des niveaux, le nouveau entre le basse, le La cave. la cave et le rez-de-chaussée, il y a une autre hauteur et on peut excaver un peu le jardin jusqu'au nouvel niveau de la cave. Et là, on réalise une autre manière de, disons, réaliser un aspect de l'espace différemment que de doubler, en effet, le volume de cette maison. C'est au fait, ils voulaient avoir plus de surface et nous, on voulait montrer que
en changeant l'espace qu'on pouvait avoir une autre sensation dans l'espace. Ce n'est pas surtout les mètres carrés qui font que vous avez l'impression qu'il y a plus d'espace. Donc, pour nous, on était là avec le client. Je pense que ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, là, on était de nouveau à la grande porte et c'était fini avec la commission. Bien sûr, on a perdu une très importante commission, mais de l'autre part, on avait l'idée qu'on avait gagné quelque chose. C'était les années 90, 95, 94, quelque chose comme ça. Et là, c'était pour nous quelque chose mental qui était assez important. C'est mettre en jeu des choses. Après ça, on n'a pas eu de commissions pour quelques années. Mais enfin. Deuxième titre qui va en rapport avec un autre projet. That it does not look good makes that it looks good. C'est quelque chose qui est aussi une contradiction, mais qui est très important pour nous. Voilà, ça c'est le projet. C'est un pavillon. On était invités de dessiner un pavillon. C'était dans une sorte de festival d'art et de musique contemporain, de musique technique, de techno, qui s'appelle Horst. C'est assez connu à ce moment. Horst est actuel dans la ville de Vilvoorde. À cette époque, c'était à Holzbeek. Et vous voyez ici un très grand parc. Et comme nous étions invités, on a dû réaliser un pavillon. C'est très simple. Ce qui est un pavillon, ça c'est bien sûr, tu peux dire de l'un part pour les architectes, une sorte de commission sublime, hein, parce que le pavillon, c'est quoi ça? C'est un moment de l'architecture où plutôt, disons, des nouvelles sorties d'idées, visions, techniques sont testées, sont mise en exhibition. Donc, mais pour nous, c'était une sorte de contradiction aussi parce qu'on peut dire que l'idée du programme d'un pavillon n'était pas exactement une sorte de programme avec lequel moi, je pouvais me lier. Et c'était à un certain moment aussi de ma vie ou quoi, je ne sais pas, que je n'avais pas envie dans cette chose. Par contre, on était invité, on aimerait faire toujours quelque chose. Et ici, on a ouvert une sorte de petit exercice, une sorte de petit labo. On a ramassé des plans qu'on a trouvés autour. C'était des plans du vieil pavillon qui était auparavant là. On a fait une sorte de dalle en béton. Et on a fait simplement, on a pris des briques. On a simplement monter les briques sans qu'il y ait des joints, sans qu'il y ait des cements. Et on a pourri du béton jusqu'en haut, dedans. Il y avait un petit simple coffrage. Et voilà, si tu reprends le coffrage, tu peux constater que le béton qu'on a pourri dedans sans aucune vraie idée structurelle, mais la seule idée est que peut-être ça peut, disons, coller tous ensemble comme une sorte d'arc brut. Et là, en haut, on a prévu une sorte de petite dalle comme une sorte de toiture. La dalle est trop mince. Et en effet, la dalle commence à pendre pour que l'eau coule de l'un côté à l'autre côté. Et voilà, tout à coup, pourtant, on n'était pas tellement motivé de faire un pavillon. De l'autre part, peut-être le pavillon est une chose très simple, c'est-à-dire c'est une chose qui est peut-être une idée de l'architecture de base, la toiture. C'est ce qu'on a besoin de deux colonnes pour réaliser une sorte d'espace, une sorte de périmètre, et tout ça de l'un part, mais de l'autre part, une sorte de contre-acte technologique, en disant c'est simplement un acte brutaliste. Et voilà, tu vois que ça donne, dans notre point de vue, une sorte de beauté. Réaliser une sorte de beauté sans que tu peux le contrôler. Ça, c'était peut-être enfin l'intérêt dedans. Et bien sûr, tant des différentes appréciations. Les écologistes étaient très contents pour que les insectes puissent vivre dedans.
Et pas que les insectes, même les oiseaux, puisqu'il y avait des trous et puis comment ça se dit? Les oiseaux de nuit. Les sauves-souris. Et voilà, le pavillon était là. Et c'était très contradictionnel pour tout le monde, mais il y avait un philosophe, Liv Necotre, qui est venu et qui disait que peut-être c'est un pavillon qui aimerait un peu, dans une manière ironique, faire référence ou discuter la position de Miss en disant, comme avec Miss, aussi avec Miss, les gestes sont très purs, très simples. La différence est bien sûr la nécessité de qualité des matériaux et comment, par exemple, aussi cette sorte de beauté naturelle. Hein, qu'est-ce que ça veut dire avec les matériaux que Miss choisissait toujours à l'époque-là? Mais en disant, l'idée était que le pavillon doit rester là pour toujours, tu peux t'imaginer, c'est en béton. Mais c'était pas seulement détesté par beaucoup de gens, mais aussi c'était, et c'est assez rare de dire, la commission était par l'agence de Forêt et Bois. Donc, ils ont, disons, leur donné leur même une permission de construire, mais dans l'administration de la permission de construire, ils ont fait tant de fautes. Et ils ont pris l'occasion du fait que c'était détesté par les gens locaux en disant que l'administration n'était pas en ordre, pourtant leur propre faute. Ils ont détruit le pavillon après quelques mois. Ce qui est peut-être aussi quelque chose à dire, c'est qu'on le voit bien ici, on a utilisé, avant le pavillon, il y avait un pavillon en bois. Et on a utilisé les planches de bois de l'ancien pavillon pour faire le coffrage. Et c'est pour ça que c'était du bois très irrégulier et on a même remis quelques planches pour s'asseoir dessus comme banc. Et puis pendant la construction, la toiture était tellement mince qu'on devait la soutenir avant qu'elle sèche avec les étés. On a une fascination, je pense, pour les étés déjà. En fait, on trouvait que le pavillon était assez beau avec les étés aussi. Et on voulait peut-être garder les étés comme ça sur place. Mais en même temps, on était curieux comment la toiture allait commencer à se mettre en place. Donc, on les a enlevés petit à petit, Les images sont de Philippe Dujada, comme toujours. Et donc ça, la deuxième séquence de ce pavillon avec les étés, était justement le moment que c'était fini et le festival a dû ouvrir, que ce n'est pas encore assez séché, et voilà. Donc ça, c'est en effet la première séquence. Par contre, ça, c'était la séquence définitive finale. Mais du fait qu'ils ont détruit le pavillon, l'année après, pourtant, les curateurs du festival ont nous demandé de réaliser de nouveau le projet comme une sorte de statement. Et voilà, ça c'est donc une autre version de ce projet. Et c'est peut-être une version qui, de l'un part, reprend les idées fondamentales de l'architecture, de nouveau la toiture et tout ça, et de l'autre part, comme, disons, le pavillon régional était une attitude de question, on est nous-mêmes, c'est ce qu'on peut faire avec un tel programme, une telle idée. Ici, c'est la même idée avec peut-être encore moins de nécessité d'expression parce que c'est simplement le tableau qu'on construit toujours pour réaliser les dalles en béton. Et en même temps, ici, les briques, ils sont justement positionnés l'un sur l'autre et c'était assez pour réaliser la beauté qu'on a réalisé l'autre fois et qu'on a réalisé au début quand on a dû rester sécher encore tout ça. Et ce qui est intéressant là, par exemple, aussi pour l'installation, le dalle en béton était encore toujours là, c'était un résidu donc du pavillon original, le premier. Mais par contre, aussi pour l'installation, on a demandé de livrer tous les granules, tout le sable de laquelle on a besoin pour réaliser le béton. Donc ici, le pavillon est devenu aussi une sorte d'acte mental. Avec une certaine beauté, enfin, notre pauvre imagination.
Donc, that it does not look good makes that it looks good. C'est pas seulement une sorte d'idée esthétique, mais c'est aussi une idée mentale, une idée philosophique vis-à-vis les choses que nous réalisons, comme architecte. Oui. La beauté, c'est discutable, mais je pense que pour nous, il est important qu'on peut toujours trouver la beauté dans des choses qui sont peut-être pas beaux. Si on regarde bien ou si on commence ou on essaye d'apprécier les choses, on peut voir la beauté aussi. Ça, c'est le projet Caritas sur un site d'une clinique psychiatrique à côté de Gand. C'est un projet en concours qu'on a gagné il y a quelques années. Et il nous était demandé pour le bâtiment que vous voyez en face, qu'ils étaient en train de démolir, de quand même le garder et de faire quelque chose avec ce bâtiment. Il est important quand tu vois ce dessin, ou disons peinture, que tu vois aussi les éléments blanches. Hein? Donc, le bâtiment principal, c'est au milieu. On va revenir plus tard sur ça. Mais je pense que d'abord, c'est important de regarder à cet ancien dessin où l'on voit l'implantation des anciens bâtiments qui étaient construits par les sœurs. Caritas. Des sœurs. Les sœurs de Caritas. Et vous voyez qu'il y a pas mal de grands bâtiments qui étaient exposés d'une façon sur le terrain, le grand terrain, l'unité des sœurs. Mais petit à petit, les sœurs ont fait travailler un autre architecte ou des autres architectes pour faire un développement plus neuf sur le site. Et petit à petit, ils ont commencé à démolir les anciens bâtiments. Donc là, sur la maquette, vous voyez les anciens bâtiments, c'est les rouges. Et puis en gris, vous voyez petit à petit des nouveaux bâtiments qui se incrustent sur le site, là où il y avait des très beaux anciens bâtiments. Si tu me donnes une minute pour expliquer un peu l'économie de tout ça, parce que ça... Tu m'as fait. Elisabeth. Ça, c'est très important aussi. C'était réalisé au début du 19e siècle. Et ça, c'était la clinique pour les femmes. Les hommes, c'était l'autre côté de la ville de Gand. Et les sœurs étaient assez géniales. Parce que tu vois, cette plan que tu vois là était réalisé 5 fois. Et ici, l'original à Gand. Mais après ça, 3 fois en Allemagne et 2 fois en Hollande. Et donc, pour les sœurs, c'était une sorte de forme d'économie. Ça, c'est très important, je pense, que quand même, quand on juge aujourd'hui ou on apprécie des projets aujourd'hui, et de comprendre aussi les choses comme l'économie qui était là. Et on doit raconter là, ici, que le côté gauche, tu peux voir sur le dessin que l'architecture est plus prononcée. Et ce qui était l'idée est que dans les années 20, les années 30-20, il y avait une nouvelle culture de psychologie, c'est-à-dire aussi, assez souvent, c'était lié avec une sorte de sanatorium pour les riches, les hommes et les femmes, dans ce cas ici, les femmes, qui viennent les week-ends pour leur laisser traiter de manière et qui payent beaucoup de l'argent pour ça. Et avec cet argent, c'était possible de réaliser l'autre côté, le côté gauche, pour les vraies maladies. Donc, les sœurs, hein, tu penses toujours les sœurs, c'est seulement l'amour. Mais c'était aussi des biens ou des très bons économistes là. Et bien sûr, comme il vient d'expliquer, surtout après la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et bien content que la science de psychologie a changé beaucoup, ils ont eu besoin des autres bâtiments parce que les vieux bâtiments avec des grandes salles où ils, c'était plus faisable. En effet, à cette époque-là, il n'y avait pas tellement beaucoup de traitements. C'est seulement après la guerre mondiale que tout ça a changé beaucoup. Et c'est à cause de ça qu'ils ont dû démolir les vieux pavillons. Mais il y avait encore une autre chose très pervers, et que, bien sûr, les bâtiments des hôpitaux, c'est lié avec des subsides.
Et les subsides étaient organisés à cette époque-là que on peut seulement rénover un vieil bâtiment si le prix total de cette rénovation est seulement 70% d'un bâtiment neuf. On peut comprendre que beaucoup des architectes donnaient l'avis aux clients en disant « c'est trop cher de rénover les bâtiments et tout ça ». C'est très important de comprendre ça aussi. Et c'est à cause de ça que depuis 50 années déjà, ils ont commencé à changer les bâtiments l'un avec l'autre et tout ça, mais sans aucune, disons, beauté de connexion avec l'architecture du site existant, même pas entre les différents neuf bâtiments. Chaque fois, c'était une autre époque, une autre architecte, ou pas une autre architecte, mais une autre sorte de, disons, esthétique. Et voilà, tout était renoué. Et la compétition était très simple, c'était avec trois bureaux, c'était Hengde Smet, Paul Vermeulen et nos architectes. Et le but de cette compétition est qu'il y avait un jeune architecte, mon âge, notre âge en disant, un jeune architecte, un jeune directeur qui arrivait. Et il faut savoir que ça ici, c'est, tu peux voir, c'est ce que je pointe, ça ici c'est donc le bâtiment de laquelle on parle. Il y avait une autre à cette époque-là, mais quand le directeur est arrivé, c'était déjà démoli. Et ils étaient en train de démolir cet bâtiment aussi. Il a pu arrêter ça à cause du fait qu'ils ont trouvé de l'amiante. Et le directeur est assez intelligent en disant, il disait, oui, je comprends bien que cette sorte de bâtiment, on ne peut plus le calibrer sur les normes d'aujourd'hui, mais de l'autre part, on a une responsabilité vis-à-vis le total d'architecture qui est là, quoi est-ce qu'on peut faire? Ils ont réalisé des groupes de débats, disons, workshops et tout ça. Guy Dionbois, de collectif Bavre de Bruxelles, était parti. Il était en lui-même, je dois dire, il était peut-être celui qui a guidé toute l'équipe des docteurs et tout ça dans une histoire ou dans un narratif en disant il faut faire quelque chose avec des bâtiments différemment que les normes dites, mais peut-être que la psychiatrie a besoin de à côté de tous les espaces réglés. Et il a dû arrêter ça. La compétition est devenue en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec le bâtiment, que si on ne peut rien faire, donne l'avis de le démolir. Bien sûr, on n'a pas fait ça, mais on a, comme on dit, donné trois réponses sur trois questions. C'était trois questions que nous avons posées parce qu'il y avait seulement une question, le bâtiment que tu vois là. Et la première réponse qu'on a donnée, c'est vis-à-vis l'idée de l'unité architecture. Si on regardait sur le site, au fait, on trouvait qu'il y avait beaucoup d'extensions qui nous intéressaient. Des extensions qui étaient soit des volumes clos, soit des auvents qui étaient ouverts ou même des jardins d'hiver. Et ça nous intéressait puisque si on regardait bien, au fait, il y avait une sorte de similaire qu'on pouvait trouver. Il y avait la couleur déjà, mais il y avait aussi toutes les poteaux et puis le fait d'avoir un auvent. Et on a essayé d'accentuer ça sur le site. Donc, pour certains, on a ouvert le volume. Pour certains, on a rajouté un auvent. Pour certains, on a agrandi l'auvent. Et pour nous, c'était important de pouvoir réunir comme ça tous les pavillons de nouveau, les anciens et les nouveaux, de les réunir de nouveau sur le site. C'était un premier abord pour l'ensemble sur le terrain. Ça, c'est la maquette, comme on a vu tout à l'heure. Et puis là, notre proposition où on voit apparaître toutes les petites pièces qui viennent devant, qui sont des pièces qui sont très fortement utilisées. Dans le passé, ils étaient fortement utilisés. On a vu sur les photos les jardins d'hiver. Mais puis, actuellement, on voit aussi que les auvents et puis les jardins d'hiver existants sont très forts utilisés et qui sont agréables puisqu'il y a le soleil et les gens s'assoivent. Donc pour nous, c'était un point de départ très important pour aussi attaquer le bâtiment qui était en train de démolition. On a fait une très grande maquette pour le concours pour pouvoir expliquer ce qu'on voulait faire puisque
sur le dessin, c'était peut-être pas forcément très facile de le faire. On a fait effectivement aussi des perspectives, vous allez les voir plus tard. Mais la maquette, c'était la clé pour pouvoir expliquer ce qu'on voulait faire. Alors, pendant la démolition, il y avait déjà des choses qui étaient parties. Par exemple, toutes les tuiles de la toiture avaient déjà disparu. Donc, on avait juste la charpente qui restait. Je pense que c'est important de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ils voulaient qu'on fasse une place sur le terrain. Ils voulaient, puisque le bâtiment se trouvait sur un endroit assez important, vraiment au milieu, et on nous a demandé, ça c'était la demande du concours, de faire une place et de réfléchir sur comment le bâtiment pouvait peut-être encore jouer un rôle sur cette place. Alors nous, on a décidé de garder l'ensemble du bâtiment, puisque le bâtiment pour nous avait un certain intérêt, et on a voulu faire des places sur étage, je veux dire. Si je peux ajouter justement quelque chose sur la stratégie de cette maquette, et je vous guide vers les autres et les dessins. Et c'était pour nous aussi, dans la compétition, l'idée, c'était la deuxième réponse sur une question qui n'était pas posée par le commissionnaire, en disant, s'ils veulent travailler avec nous, et c'est pour ça que la maquette était importante aussi, ce sera un processus. C'est-à-dire, si la question de la compétition est, on ne sait pas quoi faire, est-ce que vous avez des idées? C'est très difficile de réaliser un projet définitif. C'est clair que c'est aussi pour lui, pour les commissionnaires, pour nous, une sorte d'aventure. Donc, on doit explorer. Et c'est pour ça qu'on a fait cette maquette démontable pour changer des trucs, mais aussi qu'on a montré des sketchs comme tels en disant, voilà, ça c'est la langue avec laquelle on va débattre, attaquer le projet du futur. Hein? Donc, pour nous, la condition est que bien sûr, c'était livré à un certain moment, mais ce n'était pas livré définitif parce que le projet a eu besoin de changer. Et le changement, c'était deux choses. C'était bien sûr l'évolution de usage, de comprendre l'espace comme il était présenté, mais de l'autre part, c'était clair, ce n'est pas une ruine, mais du moment que le projet était ouvert au climat, c'était clair, il y avait un certain... Démolition, une certaine régression à accepter. Voilà, tu continues. Donc voilà, ici, les enfants sont là, ils reviennent chaque fois, je m'excuse, on excuse. Le bâtiment, comme il est encore toujours aujourd'hui, est du début. Et tu peux te demander si le bâtiment était assez différent et tellement différent. Donc, c'est important, comme il a expliqué, les tuiles étaient déjà disparues et le bâtiment était pendant un demi-an tout ouvert, avec le plâtre et tout ça, les plafonds encore dedans, mais bien sûr, avec la pluie et tout ça, c'était devenu vraiment un très grand problème. On approche ici le bâtiment et tu peux voir qu'on a... Ce que je voulais peut-être expliquer avec la maquette, c'est qu'au fait, on n'a pas fait grand-chose dans le sens où, pour nous, c'était important de pouvoir réaliser cette place dans un bâtiment. Et on a enlevé des sols ou des parties de sol. Et puis, deuxièmement, on a introduit des serres, où on peut cultiver des plantes. Donc, ça, c'est les plus grandes choses qu'on a fait pour réaliser ce qu'on voulait réaliser, puisqu'on voulait avoir une connexion, donc les sols, on les a enlevés, puisqu'on voulait avoir une connexion entre les différents espaces ou places, et puis on voulait en même temps leur donner quelque chose d'en plus avec les serres qu'on a introduites. De nouveau, on voulait créer des petites chambres qui étaient des chambres en plus des chambres qui existaient déjà. Et ce qui était important aussi pour nous, c'est un centre de psychiatrie. Donc, il y a plein de différentes sortes de gens qui allaient fréquenter cette place.
Et en travaillant avec les spécialistes, on a découvert que effectivement, ce bâtiment était intéressant pour les différentes personnes qui étaient sur place, puisqu'il y a des gens qui ont peur d'aller sur une place, d'autres qui aiment des grands espaces, d'autres qui aiment des petits espaces. Donc, pour nous, c'était évident de garder le bâtiment tel qu'il était, puisqu'il y avait des petites chambres, des plus grandes chambres, des chambres avec des fenêtres, d'autres qui avaient une forte relation avec l'extérieur. Donc, avec ça, on a pu jouer à ce que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans l'espace, puisque ça reste quand même un espace, c'est un extérieur. Même si on est dans un bâtiment, ça reste un intérieur. Vous voyez ici la cave dont on a enlevé aussi le sol qui était dans un mauvais état, mais qui nous a permis aussi de faire une sorte de théâtre, un petit théâtre, puisque bon, c'est aussi pour eux quelque chose, le théâtre, musique, ça joue un grand rôle sur le site comme traitement. On a introduit aussi une cheminée que vous voyez au fond. On a introduit les lampadaires qui étaient sur le lieu pour faire en sorte à ce qu'on sente que c'est un extérieur. Donc, c'est les lampadaires qu'on retrouve partout sur le site, tous les mêmes. Et un arbre. Un arbre, puisque sur une place, souvent, il y a un arbre. Et c'est là où les gens se mettent ensemble et commencent à parler. Ce qui était assez intéressant dans ce projet est tant des choses. Par exemple, je dis, le moment qu'on a demandé un permis de construire, c'était la ville de Mel, le village de Mel était très content, donc c'est le petit village autour du Grand. Mais de l'autre part, il y avait un moment qu'il ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'on a besoin d'un permis de construction? Bien sûr, parce qu'on change des constructions. Mais de l'autre part, les pompiers qui ont dû donner un avis, ils avaient un problème parce que ce n'était plus un bâtiment, ni que c'était un espace totalement ouvert. Et des trucs comme tels étaient assez intéressants comme idée. Par exemple, aussi pour nous, comme architecte, normalement, on a un programme mètre carré, on sait exactement ce qui va se passer. Mais ici, dans la réalité de psychiatrie, de temps en temps, vous êtes là, il n'y a personne. Et l'autre moment que vous êtes un peu plus long là, tout à coup, il y a une activité qui se déroule, peut-être seulement pour 15 minutes, et c'est fini. Donc, au début aussi, nous, comme architectes, on disait, mais est-ce que vous n'avez vraiment pas une programmation pour ce bâtiment? Ils nous disaient, non, on n'a pas besoin de programmation, on a besoin d'un espace d'opportunité. Parce qu'ils disaient, tu sais que une maladie psychiatrique, c'est très personnel. C'est pas quelque chose que tu peux garer dans un groupe ou n'importe quoi. Donc, de temps en temps, tu trouves là une personne avec le thérapeute ou avec le docteur, et tout ça peut être seulement 15 minutes, mais c'est déjà assez. C'est déjà assez. Ben, ou seul, quand on passe là-bas, souvent il y a des gens qui sont là assis, qui, dans le soleil, qui lisent ou qui simplement ne font rien. On a déjà rencontré aussi quelqu'un qui a été là-bas et qui nous a dit, qui est venu nous voir exprès pour nous dire que, vous savez, ce bâtiment, pour moi, c'était le calme. Moi, quand je voulais être seule ou quand j'avais besoin de calme, j'allais me mettre dans le soleil, sur une chaise, dans le bâtiment. Et ça nous avait fait beaucoup de plaisir d'entendre que c'était un bâtiment où on pouvait se retrouver au calme et où on pouvait se retrouver soi-même. Sur cette photo, vous voyez, pendant la démolition, en fait, on a découvert qu'ils avaient fait, pendant toutes les années que le bâtiment était en utilisation, pas mal de travaux. Pas mal de travaux qui incluent Je vais repasser sur celui-là. Où on passait les câbles dans les murs ou des tuyaux dans les murs et on avait fait des incisions dans les murs qui étaient assez graves structurellement. Donc, on a dû restaurer quand même structurellement le bâtiment à certains endroits. Et on a introduit exprès un autre matériau pour montrer presque des cicatrices et des cicatrices qui montrent que le bâtiment, il est en évolution, puisque c'est important de savoir pour nous
qu'un bâtiment, on le construit dans un certain moment en tant qu'architecte et on sait que le bâtiment, après, il va y avoir des reprises. Donc, on a voulu montrer ce que nous en a fait. Et vous voyez aussi en blanc, là où il y avait des fenêtres, les saillies de fenêtres. Quand on enlève les fenêtres, le mur, il commence à se démolir et on devait le réparer à ces endroits-là. Et on a introduit des sortes, comme un peu le projet de Horst, on a demandé à l'entrepreneur de juste couler là où c'était nécessaire. Donc, et on a appelé ça les nuages. Après, on les a peints en blanc. Pour bien démontrer aussi que c'était quelque chose que nous, on avait introduit, mais aussi pour accentuer ce clin d'œil vers les nuages que nous, on trouvait beau. Et même là, les réparations qu'on a fait avec les tuyaux, on a découvert, ou c'est des docteurs qui nous ont dit, qui sont venus nous parler pour dire que c'est comme des cicatrices, c'est comme les cicatrices qu'ont faites les gens qui sont là, les gens du psychiatrie. Ils ont aussi des cicatrices, donc ils peuvent maintenant, même le bâtiment, ils l'utilisent comme dans les traitements, ils peuvent utiliser le bâtiment pour expliquer, de voir aussi la beauté des cicatrices qu'ils ont. Donc tu vois, là aussi, pour un architecte, c'est assez rare ou bizarre que aussi il y a des symboles dans votre projet. C'est une émotionnalité que tu ne peux pas dessiner dans ce sens. Bien sûr, on a réalisé cette sorte de manière technique de reconstruire ce qui était là, mais tout à coup, dans la réalité, dans l'univers de psychiatrie, ça s'est donné une autre dimension. Je m'excuse, mais j'ai vu dans le chat qu'il y a tant de gens qui demandent de parler en anglais. Mais on reste en français, c'est juste quoi? Je ne sais pas, pour nous, c'est peut-être Ing en français, moi en anglais, quelque chose comme ça. Je ne sais. Hein? Donc voilà, ça c'est donc l'image qui revient. Et c'est-à-dire, enfin, pour nous, c'est un projet assez important. C'est aussi comme le pavillon, là, tu peux dire, c'est comme des petits cailloux dans vos chaussures. Hein? Donc vous avez un bureau d'architecture, il y a tant de projets, mais il y a des projets aussi qui sont des petits cailloux dans vos chaussures qui restent là et qui restent avec vous et bien sûr qui sont assez vite partis d'un débat plus horizontal. Beaucoup de gens sont intéressés à tout ça, dans ce cas pas seulement dans l'architecture, aussi dans l'univers de psychiatrie et tout ça. En tout cas, on a eu la chance qu'à un certain moment, c'était Grafton Architects, Yvonne Echali, qui était curateur de Biennale de Venise de 2018, c'était déjà, il y a 2 ans déjà, et qui nous ont demandé de montrer cette projet dans le cadre de leur idée Free Space. Il ne faut pas l'expliquer, ça, que si on parlait de Free Space, oui, il y a peut-être une raison de dire que ça ici aussi est une sorte de free space. Et voilà, ça sont les dessins conceptuels de cette installation qu'on a fait à Venise. C'est effectivement l'installation à Venise qu'on a réalisée. Il n'y a pas la photo de... Non. Non, bon. où on voulait montrer le bâtiment qui... quand on n'y était pas, est assez compliqué, je dois dire, pour expliquer. Et pour nous, il était très clair qu'on voulait montrer le bâtiment tel qu'il était vraiment. Donc, on a réalisé des grandes photos, presque un sur un, et on a réalisé des chambres avec la structure en bois. La structure en bois, vous faites faire référence un peu à l'ossature ou la charpente qui était restée, mais aussi au sol, etc., qui était là. Mais pour nous, ce qui était très important, c'est de réaliser ces chambres et de donner l'expérience qu'on pouvait avoir dans le bâtiment. Donc, on voulait donner l'expérience de vraiment se balader dans le bâtiment. On a fait une vidéo aussi avec les gens du UTH.
Et puis quand on a fait l'installation telle qu'on le voit ici, tout d'un coup, quand on était là, on a découvert même que la chambre ou la pièce où on était, tout d'un coup, était peut-être un ensemble. Il y avait une ossature aussi déjà existante dans l'espace où on était. Ça c'est du fait que c'était sélecté pour la Biennale de Venise. C'était pas seulement une présentation de projet seulement de nous-mêmes. De nouveau, les images de Philippe sont géniales, tu sais. De l'autre part aussi, avec Philippe Hochsprung et le team de GTA, ils ont fait une sorte de vidéo sur le daily use du bâtiment, qui était assez intéressant, très intéressant. Mais de l'autre part, on a aussi pris la chance de réaliser une sorte de cahier de réflexion sur le projet. Et le cahier était édité pas seulement d'un point de vue architectural, mais aussi c'était devenu une sorte de place, disons, de débat avec les thérapeutes, les docteurs et des critiques, en tout cas. Donc, ici, tu vois, ça c'est donc le titre de cette book, Unless Other People. C'est bien sûr très important que l'architecture, n'importe quoi, mais enfin, c'était pour les peuples, pour des gens que tu réalises des choses. C'est peut-être de l'un part très banal de dire ça, mais c'est un peu comme à l'époque, quand Sejima disait « People meet in architecture ». De temps en temps, c'était important de souligner des choses comme ça. Et en effet, ce livre, c'est le deuxième dans une série qu'on a commencé. Il y a un troisième que nous sommes en train de réaliser qui s'appelle « Form, Life, Urge », de laquelle on peut parler peut-être un peu plus tard. Et l'autre, c'était Bravoure, Scarcity, Beauty, qui était une petite livre qui supportait ou qui était catalogue de notre présentation dans le pavillon belge 2016. Enfin, mais cette livre est devenue une sorte de double. En effet, chaque fois, les images de Philippe de l'un côté et de l'autre côté, des essais, des critiques, des idées. Et on peut constater que pas tous les critiques sont positifs. Enfin, ce n'est pas question de négatif ou positif, mais qui sont critiques sur des idées de l'architecture et psychiatrie et tout ça. Et donc, pour nous, c'était important pour que ça ne devienne pas une sorte de catalogue architectural seulement, parce que tu peux dire, oui, il y a tant des raisons, l'espace et l'étude, l'ensemble, c'est très important, mais que c'est devenu aussi une sorte de manière de débattre le projet. Voilà, ce sont des extraits de ce livre. C'est encore toujours disponible aujourd'hui. Mais dans encore un autre niveau, ce projet était important pour nous. Voilà notre projet jusqu'en bas. Il y a un autre projet ici en présente. Comme je viens de dire au début, des projets comme tels, qui peuvent être aujourd'hui pour tout le monde, pour beaucoup de monde, très poétiques et esthétiques et tout ça, et très humains, ça c'est juste. Mais il y a aussi une sorte d'économie. Donc, notre projet était réalisé à une économie très bas. Mais comme j'ai expliqué il y a 10 minutes, c'était aussi un élément de, disons, subside, de financement. Et comme j'avais expliqué, une rénovation d'un projet, le coût de ça peut être seulement 70% du prix d'un projet neuf. Le directeur a lancé un autre projet, nous n'étions pas dedans, nous n'étions pas... on ne faisait pas partie. On ne fait pas partie de ce team. Il a réalisé là, avec sa propre team technique et les docteurs, il a rénové le bâtiment de manière très bas, d'une idée très basse. Ils ont sélecté de simples meubles second-hand. Ils ont demandé à un designer de meubles, Philippe Alais, de réaliser des tables et tout ça. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que je montre ça, c'est pas spécialement parce que l'architecture est géniale, mais l'architecture est simple et même en même temps, mais c'était réalisé à un frais, à un coût de 60%. Donc là, pas seulement le directeur aimerait prouver avec notre projet qu'il y a un avenir pour tout ce qui est là, mais pas seulement un avenir, mais un besoin des autres sortes d'espaces dans le monde de psychiatrie, mais il a aussi prouvé que des bâtiments existants sont assez valables pour reuse, pour
réinterprétées et pour que aussi encore les cliniques peuvent prendre place dans ces vieux bâtiments-là. Donc pour nous, c'est pour ça qu'on monte ça. On aimerait débattre nos projets dans une sorte de, disons, réalité plus horizontale, plus ouverte. Enfin, pour finir ici, à l'heure actuelle, de manière très lente, je dois dire, nous sommes arrivés à une évaluation du projet et avec, dans un, disons, qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on peut changer dans ce projet. En fait, la question était comment est-ce que, ou est-ce qu'on pourrait, depuis le début, c'est ce que je pense qu'on a essayé d'expliquer déjà, qu'il y avait une évolution possible dans le projet. Et là, pendant l'utilisation du projet, il commence à découvrir qu'il y a peut-être d'autres besoins que ce qu'il y a réalisé actuellement sur le site. Vous voyez ici en blanc dans le Tipex là, où il y a une serre actuelle dont il pense qu'elle bloque un peu l'espace et il souhaite au fait la déplacer sur le site en face, puisqu'il trouve qu'il manque un espace à l'extérieur pour les enfants, mais aussi pour les parents, pour pouvoir se rencontrer convenablement ensemble sur la pelouse devant. On a fait d'autres petites choses aussi. On a enlevé quelques cloisons qui étaient là. Ici. Ouais, peut-être les détails ne sont pas tellement importants. Non. On aimerait voir. À l'heure actuelle, on travaille sur une évolution du futur pour justement finir, disons, les petites présentations sur le projet de Caritas. Mais comme doivent être clairs pour vous maintenant que ce projet n'est pas seulement réaliser la beauté d'un espace, mais que ça a vraiment beaucoup des autres idées autour de ça, stratégies, politiques, philosophie et tout ça, qui tombent ensemble dans ce projet-là. Et c'est pour ça que pour nous, le projet est tellement important. Pas plus important, mais c'est un projet qui nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup des idées. On a dû changer beaucoup des idées que vous avez toujours, mais que tu ne peux pas appliquer dans un projet comme tel. Mais je pense que c'est important en tant qu'architecte. Normalement, on livre le projet et on n'y va plus jamais, sauf peut-être pour prendre des photos ou pour guider des gens qui veulent voir le projet. Là, c'est un projet où on va devoir aller régulièrement, puisqu'il faut aussi que nous, on surveille la construction du bâtiment, puisqu'il y a des sols en bois qui sont en train qui souffrent au fait de la pluie, etc. Donc, c'est un bâtiment où, en tant qu'architecte, il faut oser aussi de le modifier. Et ça, c'est quelque chose pour un architecte qui n'est pas très normal. Donc, ça, c'est dans notre intérêt qu'il y a une sorte de agreement avec les gens de là-bas, que nous, on y va sur une base régulière pour voir si on peut faire des changements ou si on doit faire des changements ou si on doit faire des renforcements ou d'autres choses, quoi. Enfin, suivant le projet, parce qu'on a eu beaucoup de temps avec Caritas, mais c'est important. Mais la connexion entre les deux projets, peut-être c'est ce qui est écrit ici, ce sont des mots de Francis Alice, donc l'artiste belge, qui était d'origine aussi architecte, qui habite à Mexico City, bien connu entre-temps. Il est l'artiste qui présente son œuvre dans la suivante Biennale Venise de l'art dans le pavillon belge. Enfin, peut-être pas important à dire, mais ces deux choses qu'ils disent ici. Sometimes doing something poetic can become political. Sometimes doing something political can become poetic. Tu sais, les deux mots poétique et political, ce sont deux mots que tu ne peux pas, disons, associer l'un avec l'autre. Mais exactement dans son œuvre, ça se passe toujours. Et on est peut-être un peu prétentieuse de citer Alice ici, mais d'une certaine manière, je peux comprendre tellement ce qu'il dit là.
Et peut-être aussi le suivant projet est parti de cette sortie d'idée. C'est le projet qu'on présente aujourd'hui avec les dessins dans l'exposition. Et en fait, ce que tu vois là, c'est un très grand bâtiment de salle d'exposition à Charleroi. C'était 66 000 mètres carrés. C'est assez grand. Et vous avez maintenant la perspective du vue de point de vue Belfort de la ville de Charleroi. Et tu vois les terrils là. Hein. Charleroi est bien connu pour l'industrie lourde, l'industrie métal de l'époque des années 40, 50, 60, 70. Et du fait que c'était une économie très riche, une économie très florissante, ils avaient l'idée de réaliser une salle d'exposition pour exposer, bien sûr, les résultats de cette industrie. C'est pour ça que le programme de ça est assez, très, très grand. Mais aussi, la structure de ce bâtiment est énorme. Les dalles, à certains points, peuvent prendre 3 tonnes de kilos. Spans, c'est énorme, tu peux le voir dans les photos qui viennent. Mais cette image est très importante pour nous, c'est une image du temps de la construction de ce bâtiment. Donc, on vous guide autour du bâtiment, tu vois, avec nous, c'est énorme. Il faut savoir que, bien sûr, surtout en Europe, mais autour du monde, à un certain moment, les années 60, toute l'industrie lourde en Europe est tombée. Donc, à un certain moment, le bâtiment n'avait plus de raison d'existence. Il y avait de temps en temps, peut-être 10 jours par an, encore besoin de cette 66 mètres carrés. Mais de l'autre part, c'était presque toujours vide. Et tu vois, pourtant, c'est un très bel bâtiment avec une dalle de 9 mètres, par exemple. L'échelle, c'est énorme de ce bâtiment. Et il y a maintenant presque 5 ans, j'imagine, que la ville de Charleroi a reçu de l'Europe 35 000 euros pour la reconversion de ce bâtiment. Mais tu sais, 66 000 mètres carrés, c'est beaucoup. Enfin, pour une vraie restauration ou reconversion de ce bâtiment, on a besoin enfin de 120 millions d'euros. Mais c'était pas disponible. Ça, c'était clair. Et la ville de Charleroi est assez intelligente parce qu'ils ont lancé une compétition en disant, tu sais, on a 35 000 euros et il faut revoir, disons, le grand espace lobby avec l'escalier. Il faut le retourner dans une architecture contemporaine et en plus, avec un niveau énergie zéro passif bâtiment. 35 millions. 35 millions, oui, 35 millions, je m'excuse. Pour nous, c'était plein de contradictions. En disant, on va réaliser un bâtiment au milieu avec un standard énorme, et les autres, le reste du bâtiment reste comme il est. Et aussi, la marche aujourd'hui encore n'a pas besoin de 66 000 mètres carrés. Et là, cette photo, de nouveau, était pour nous l'idée de base. Quoi est-ce qui se passe quand on ne va pas investir dans le bâtiment au central, dans donc, le grand lobby, et on va ouvrir le lobby pour restaurer la réalisation de la ville haute et la ville bas? Voilà, ça c'était la maquette de la compétition dans laquelle on présentait, non, on ne va pas changer les façades dans des façades plus contemporaines. On ne va pas réaliser un climat super dedans. On va ouvrir le bâtiment et on va réaliser avec cette belle structure ouverte une sorte de mini-parc qui peut reconnecter la ville haute et la ville bas. Et voilà, c'est beau, c'est belle, mais c'est en même temps aussi une stratégie d'économie. Parce que seulement pour réaliser ça, on a besoin d'un tiers de budget de 35 millions d'euros. Et les autres, on peut investir dans les autres bâtiments pour lesquels ils n'avaient pas prévu de budget. Donc voilà, le projet, on a gagné. C'était un peu étonnant pour nous parce que tu peux dire qu'on a
réalisé nul de toutes les demandes. Ce n'était pas passif, mais de l'autre part, c'était zéro énergie. On a même sauvé du budget pour investir dans les autres parties du bâtiment et on a, à notre vie, à notre idée, c'est aussi ce qui était très aimé par le bourgmestre de la ville de Charleroi et par le bourgmestre, on a changé l'attitude de ce bâtiment qui est juste à côté du Belfort et qui coupe vraiment là la ville de Bas-Ville. On a réalisé une nouvelle sorte, disons, ouverture, manière de vivre la ville là. L'usage du monde, l'usage de la ville était changé là profondément et immédiatement. Mais non seulement de la ville, c'est aussi le bâtiment, au fait, il était tellement présent dans la ville et il n'était pas utilisé. Et en faisant ça, au fait, tous les gens vont traverser ou vont pouvoir traverser le bâtiment et le bâtiment, il va être utilisé d'une manière à ce qu'il ne bloque plus la ville et les gens vont pouvoir s'approprier aussi le bâtiment dans un sens. Maintenant, on a une petite présentation de l'état actuel. Donc, le chantier a commencé il y a presque un an. Et tu vois ici des photos, des images de Philippe Dujardin de nouveau. C'est un peu frustrant pour Philippe parce que ici, c'est vrai, ce n'est pas un collage de Philippe, c'est la vraie réalité de ce bâtiment, le sous-bassement. Mais enfin, c'est peut-être agréable de voir les photos de cette structure énorme. Mais maintenant, oui. Il est important de comprendre qu'au fait, les sous-bassements, ils étaient construits vraiment sur la pente de la ville et ils avaient pas, la pente était visible. Donc, ce que vous voyez, c'est la vraie terre de la ville qui était restée comme ça. Et au fait... Voilà, et ça, c'est une série des images prises mois de juin, après donc la période de COVID. Et ici, tu peux voir déjà l'ouverture du bâtiment. On est en train de enlever tout ça, d'ouvrir tout ça, de réaliser encore des escaliers, tout ça pour que tous les trois niveaux peuvent être réalisés, parce que c'est important de comprendre qu'il y a trois niveaux. Trois niveaux, chaque fois 9, 8, 7 mètres d'hauteur. Et voilà. Et tu vois déjà dans les images d'aujourd'hui que tu peux voir l'autre côté du bâtiment. Mais tu vois aussi que la structure est assez belle et c'est assez. Donc voilà, côté ville haute, hein, c'est donc à droite. Et voilà, aujourd'hui, le chantier, c'est plutôt... disons, reprendre les éléments, enlever les éléments pour réaliser des nouvelles perspectives. Tu vois aussi cette très belle coupole en briques de verre. C'est plein dans ce bâtiment. Et voilà, ça c'est déjà l'enjoy aujourd'hui. Auparavant, c'était complètement fermé. Et aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir vis-à-vis le contexte autour de ce bâtiment. Déjà, les images de Philippe sont assez agréables. Comme toujours. Voilà, c'est justement pour vous donner une idée de l'état du bâtiment ou du processus du projet aujourd'hui. La livraison doit être 2023. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est aussi un processus assez lent à cause du fait que le budget de la Commission européenne est, disons, coupé dans différentes parties pendant différentes années. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on aimerait parler deux minutes de la présentation des usages du monde. Et voilà, ici, j'ai justement ramassé quelque chose que j'avais trouvé sur Instagram et qui nous touche vraiment, des grands bureaux, des dessins à la main. Tu vois ces deux hommes-là. Et c'est pour ça qu'on aimerait avoir une sorte de petit Instagram dans notre présentation de cet après-midi. Parce que bien sûr, c'est clair, avec la présentation dans l'exposition et tous les projets que nous faisons, comme les dessins de Caritas, nous sommes un bureau d'architecture qui réalise des projets, bien sûr, mais aussi
Dans notre bureau, la partie de réflexion est assez importante. Ici, le dessin pour l'exposition est fait dans le mois de juin, juillet, quelque chose, ou peut-être mois de mai aussi, Aurélie. Mais voilà, vous voyez ici notre collaborateur avec lequel nous avons réalisé, ça c'est le dessin à un certain moment pour vérifier ce que nous étions en train de faire. On a fait une sorte, voilà, c'est Inge qui a fait une partie de la dessin à la maison et qui transporte ça vers. Donc, on aimerait ici partager avec vous aussi un peu la joie de notre bureau, le plaisir de notre bureau, la manière qu'on travaille, qu'on réfléchit, qu'on travaille ensemble. Et tu vois là, ici, Witz, Céline, Charvine, l'autre fois, Lise-Laure, tu peux voir la main de Inge, voilà, Witz en train de travailler. Et ce qui est important aussi ici, quand tu es ensemble dans un bureau, que tu travailles avec, disons, les moyens qui sont là. Ça veut dire aussi les particularités de vos collaborateurs. Ça, c'est pour nous très important, que ce n'est pas, disons, d'avoir une influence, mais d'avoir une possibilité de réflexion aussi pour leur propre manière de voir les choses. Donc, c'est pour ça que le grand dessin qui est présent aujourd'hui, voilà, ça c'est le scanner pour scanner le projet. Que le grand dessin, donc voilà, ça c'est sur site avec Lise-Laure, Witz et Céline et Inge. Ça c'est sur site. Pour nous, c'est aussi un projet d'ensemble dans le bureau, là. Le dessin, c'est quelque chose qui connecte, qui fait une sorte de connexion entre les gens, et c'est notre propre manière de réflexion sur tout ça. Merci pour les photos, Mathieu, ici, de l'exposition. Qui est juste à côté de vous. Et voilà, pour nous, c'était important de présenter ce dessin, pas seulement pour présenter le projet, mais aussi pour présenter la manière de réflexion sur la ville, comment ce projet est situé dans la ville de Limpar, mais aussi ce projet est situé dans notre bureau, dans notre manière de travailler, de réflexion et tout ça. Mathieu, je ne sais pas si nous avons encore beaucoup de temps, assez de temps pour continuer. Il y a encore assez de choses à raconter, mais peut-être il y a déjà une heure qu'on parle, c'est peut-être beaucoup ou assez pour vous. Voilà, ici, ça c'est la présentation, mais je pense que c'est plus facile pour vous d'y aller voir dans 5 ou 10 minutes, comme vous voulez. Mais voilà, ici, on commence du côté du terril, donc côté de Villebas, qui continue une zone un peu, disons, d'un caractère très, très divers, pour arriver à un certain moment vraiment à l'état ou dans le cœur de notre projet, le bâtiment. En fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est toutes les écritures des différents gens qui ont dessiné dessus. Vous voyez que le bâtiment en soi est dessiné très, très, très précis, ce qui était très important pour nous, puisqu'on voulait vraiment montrer le bâtiment tel qu'on est en train de le réaliser. Tandis que les abords ou la ville à côté est peut-être déjà une interprétation, ou peut-être pas aussi, puisqu'on a vraiment quand même regardé aussi dans les rues, on a pris des photos pour pouvoir réaliser ces dessins. Et il y a une petite chose à raconter. Tu vois ici au milieu de ce dessin, là en haut, il y a une sorte de frise surréaliste. Tu sais, on parle ici du Palais de l'Expo, mais il y a aussi Palais des Beaux-Arts. Palais des Beaux-Arts, Palais des Congrès. Et là, c'est une frise énorme par Marguerite. Et on a dû constater, et ce n'était pas prévu comme ça, mais si tu vois comment la frise de Marguerite était constituée avec la forme au milieu et tous les éléments de l'un côté et de l'autre côté, tu peux aller voir dans l'exposition, tu peux voir qu'il y a une sorte de rythme entre notre dessin et la frise de Marguerite. Et je dois avouer, ce n'était pas prévu comme ça, mais avec une sorte de position centrale et toutes les autres choses qui vont ensemble avec. Mathieu, on continue? Oui.
On continue ou s'il n'y a pas une réponse, Inge a vous envoyé un message. Tu dis que ce qui est possible. Hein? Peut-être quand tu fais un chat. C'est bien? Oui, oui. Ok. Okay. Tu sais, ici, ça, c'est c'est deux pages d'un livre de nouveau de Hans Timmermans. Qui a fait aussi le dessin Mettre en jeu. Mettre en jeu, oui, voilà. Et c'est une sorte de livre très intéressant. C'est un livre de combien de pages? Je ne sais pas. Énorme. Avec tous les dessins de lui. Et j'aimerais aussi ces pages qui disent homo nonsense. Il y a beaucoup des homos, mais nonsense. Et tu peux dire aussi que le dessin qu'on a fait pour l'exposition, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ce n'est pas nécessaire pour réaliser le projet, ça c'est clair. Mais c'est important ou c'est intéressant de faire une sorte de réflexion, pas seulement sur le projet, mais aussi de manière de travail. Mais ça connecte aussi le suivant projet, Inga, celle-ci, tu sais? À Gand, une clôture à Gand, où à un certain moment, je passais devant et je vois qu'un étudiant ou quelqu'un qui était assis là, qui avait peut-être terminé ses tartines et qui ne savait pas quoi faire, avait fait des réparations avec du papier aluminium, des réparations de la clôture qui était cassée. Quelque chose qui m'intriguait beaucoup et qui, dans d'autres choses qu'on voyait déjà auparavant ou après, qui est resté dans notre tête, puisque c'est quelque chose de beau, en fait. C'est une réparation, mais qui était peut-être faite juste puisqu'on s'ennuyait, quoi. Et ça met en relation avec cette balustrade qu'on a vue dans la villa Tugendhat à un certain moment à la ville Bernau, qu'on a pu visiter juste avant qu'elle était rénovée. Et ce qu'on a vu sur la balustrade, c'est que il y avait elle était endommagée et que quelqu'un avait essayé de restaurer ou de réparer juste en collant du tape aluminium. Et c'est une beauté. On trouvait que c'était beau, puisque voilà. Le chrome, on a essayé de l'imiter avec le tape, et au fait, on le voyait, mais en même temps, on ne le voyait pas. Mais le fait d'oser faire ça dans la villa de Tugendhat, pour nous, c'était quelque chose d'important. Et on a découvert même qu'après la rénovation, ils ont décidé de garder cette restauration. Donc, au fait, on avait compris que c'était quelque chose d'important. Et ça nous amène à cette table que nous, on a réalisée. C'est une table basse où on travaille avec l'évolution de la matière. C'est-à-dire que, au fait, c'est une table en fer et on a demandé de la polir avec des diamants. Donc, elle est polie, mais après, normalement, on doit la traiter pour que ça reste poli. Et on a décidé de ne pas rajouter le chrome pour, au fait, avoir cette évolution. Donc, au fait, la table, petit à petit, elle va rouiller, comme vous voyez sur la table de devant. Mais aussi, l'utilisation de cette table fait qu'on voit les traces et que la table devient très personnelle. Donc, quelqu'un qui aime boire ou qui a une fête et qui, après, ne nettoie pas la table, on voit la fête. La fête sera toujours là. Ici, la photo sur laquelle on voit plus ou moins le chrome qui a été restauré. Et ce tape, cette restauration qu'on a vue à Villa Tugendhat, nous a toujours, est toujours resté dans notre tête et ça nous a inspiré de travailler aussi avec ça. Et comme j'ai déjà dit, des étés, c'est quelque chose qui nous inspire beaucoup. Et on a réalisé des étés ou des poteaux
qui sont aussi qu'on a essayé de les faire plus précieux et en mettant aussi du tape dessus, du tape aluminium dessus. Avec la nœud qu'on a fait encore plus spécifique, il y a des nœuds qui sont chromés, il y a d'autres qui sont argentés, il y en a dorés, pour rendre précieux cet été. Et l'idée, c'est que des gens qui veulent changer un espace quelque part, ils peuvent prendre l'été et juste la mettre dans l'espace pour changer le lieu. Il y a un autre projet avec lequel on peut très bien l'expliquer, mais on ne l'a pas mis dans la présentation. Yann, est-ce que tu nous entends? Yann. Quoi? Est-ce que tu nous entends? J'ai vu le... On peut parler encore 10 minutes, c'est ça? 5 minutes, on dit. Ok. Ok. Voilà. Mais on aimerait, tu sais, ce n'est pas vraiment un projet qu'on présente ici, mais on présente des idées ouais, qui sont toujours sous la table dans nos bureaux. On voit des choses comme telles et on a besoin de faire quelque chose avec. Et je pense qu'ils sont très reliés par exemple, la manière qu'on a reconstruit Caritas. Ils sont très liés au moment à l'heure actuelle aussi, ce n'est pas encore visible, à Charleroi, des petits trucs qui doivent changer et tout ça. Et c'est pour ça qu'on aimerait présenter ça ici. Par exemple, ici, pour y aller vite, ça c'est simple, une sorte de ligne d'électricité qui était dans un mur. Ils ont ouvert le mur et ils ont coupé la ligne qui était en effet complètement encombrée par des briques et des mortiers et tout ça. Et maintenant, on a fait de ça aussi un objet assez précieux par le coller de nouveau avec ce tape silver et par laquelle ça devient une sorte d'autre beauté. Écoute, Mathieu, c'est ce que nous voulons faire à l'heure actuelle. Il y a trois projets qu'on ne va pas débattre. On va justement passer les trois projets. Ça, c'est un projet qui était bien sûr lié à ce qu'on vient d'expliquer avec le tape et tout ça. C'est-à-dire, c'est un projet deux petites maisons ici à Gand, avec do-it-yourself, avec un budget très bas, seulement 50 000 euros. Et qu'on a construit avec un client à cette époque-là. Deuxième projet, et ça c'est important pour nous aussi, c'est ce qu'on a trouvé sur les murs de CCA, c'est quelque chose de Gordon Matta Clark. Voici ce que nous avons à vous offrir, la confusion guidée par un but précis, bien précis. Et voilà, ça sont donc deux maisons qu'on a livrées. La concertation était encore dans le sein de l'architecte Nevel de Vingtailleux, mais la fin de la réalisation, c'est quelque chose, enfin, c'est assez récemment livré, période COVID. Et on aimerait bien sûr parler de tous les détails, les idées qui sont dedans, mais un autre temps, je dois dire. Mais c'est peut-être bien juste regarder aussi. Voilà. Et je pense que quand on a montré les dessins, on voit aussi quelque chose dans ces bâtiments-là sur le dessin. Deuxième projet, c'est une autre maison. C'est maison Peter Benoît. Ah, voilà. Entre-temps, nous sommes en train de, comme j'avais dit, d'écrire une nouvelle petite livre sur des idées qui nous intéressent. Et voilà, ce sont 9 mots qui vont ensemble avec ça. Donc, ce qui est le plus important, c'est comprendre de quoi est-ce qu'on a besoin. Quel est le urge, quelle est la nécessité d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut-être de manière très simple fixer des choses, très, très en direct ou peut-être avec un certain doute? Mais enfin, les mots qui restent surtout avec nous, c'est l'idée que en tout cas, l'architecte, ils peuvent créer des formes. Et quand même, du fait qu'aujourd'hui, on vit dans un temps assez, avec beaucoup d'urgence, avec beaucoup de nécessités, beaucoup de problématiques, enfin, nous voulons croire que la forme est cet instrument que nous, architectes,
on peut chaque fois ajouter n'importe quoi. Ou donc, la maison de Friant était exemplaire de l'idée de la forme, mais aussi, je pense que les formes qu'on a trouvées dans Caritas et tout ça sont très prominentes. Là, par contre, le programme, le projet avait une autre dimension que seulement réaliser un projet d'habitation. Ça, c'est l'autre projet qu'on ne va pas t'expliquer trop. C'est un projet assez récemment livré. C'est la maison de Peter Benoît, qui était un simple boule, qui était à l'origine une simple maison bourgeoisie un peu fermée, et la manière comment ouvrir et comment écrire une nouvelle sorte d'espace. Donc, pour nous aussi, n'importe les stratégies, n'importe les économies, les philosophies, encore toujours le joie de créer de beauté seulement, des couleurs, des manières de construire des choses, c'est très important pour nous à l'heure actuelle. Pour peut-être, je pense, finir presque cette conférence avec toutes les problématiques d'aujourd'hui. C'est ce matin, en descendant vers la gare de Zurich, je passerai un bar de café. Désolé, ce n'était pas encore ouvert. Mais dans cette bar de café, il y avait quelque chose qui... C'est le nom du bar de café. Je passe. Ah oui, c'est long. Voilà. Le nom du bar de café, de coffee bar, est Society is too realistic. J'aime bien cette sorte d'idée. Society is too realistic. Et pour ça, justement pour finir, si vous êtes intéressé encore après cette conférence, nous sommes en train de réaliser un nouvel set de livres. Le premier était là. C'est une idée, c'est un livre sur des choses assez éphémères, assez périphériques. Les dessins qu'on a faits avec Excel, tu connais tous Excel, parce que nous sommes des architectes, et comment on peut faire des autres choses. Ça, c'est comme avec l'étain et le tape en argent. C'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut ajouter ou comment est-ce qu'on peut manipuler des trucs qu'on connaît très bien pour arriver quelque part, quelques autres parts. Donc, ce livre, ça s'appelle Vervilling. L'ennui. L'ennui. Deuxième livre que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire, il y a une nouvelle magazine, Superposition. Le premier Excel Drawings était Gallery Magazine. C'est aussi une nouvelle magazine faite par Jonathan May et Johannes Berry. Et celle-ci, c'est Superposition, c'est faite par les gens qui ont réalisé le magazine Plant Face et qui recommence avec quelque chose, un concept assez neuf dans lequel on participe. Mais c'est ce qu'on avait fait. On a fait une sorte de bootleg de ce livre immédiat. Donc, le livre sera dans les magasins dans quelques semaines. Mais nous avons pris une sorte de livre bootleg de ça, c'est-à-dire dans notre livre, on a seulement les articles, les trois articles, les trois contributions, et les autres pages sont complètement blanches, vides. Et pour laquelle nous sommes en train de réaliser une idée avec des chrome photos pour coller dedans et faire un autre livre. Tu sais, à l'époque, on a réalisé les A-Book 1, 2 et 3. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser une nouvelle série qui s'appelle A-Book A, B, C, mais qui sont à ce moment des livres qui sont basés sur des autres livres, qui ne sont pas des livres neufs. Voilà, je pense que ça c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Oui, et bientôt. Voilà, dernière chose, hein, tu dis. Bientôt, vous pouvez trouver notre nouvel site web qui sera comme ça en Excel aussi. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir bientôt, dans un mois à peu près. Oui, vous m'entendez? Oui. C'est bon? Merci oui. À vous, tous les deux. On nous chasse un peu en dehors de l'exposition, donc on va malheureusement devoir vous quitter. Il y a éventuellement une question, si quelqu'un ici en dessous, il y a une question. En tout cas, merci. Peut-être qu'on se verra pour le finissage de fin novembre. On espère. Le contexte sanitaire pourra nous permettre de se retrouver ici à Laurent, sinon de nouveau en visio.
Et puis, on vous souhaite, bien, en tout cas, d'être malade. Et puis, OK. Salut. Merci pour l'invitation et merci aussi pour l'invitation dans l'exposition. C'était vraiment un plaisir de réaliser ce dessin. Et pour nous, c'est aussi l'ouverture de notre bureau. On dit qu'il y a des différentes chambres aujourd'hui. Et une des chambres s'appelle Drawing Cabinet, dans laquelle on va donc réaliser des études de dessin. Des études de dessin. Et ça, c'était le premier. Et on est en train d'établir, disons, une sorte de drawing class, une sorte de summer school dans laquelle on va réaliser dans 2 ou 3 semaines de nouveau ensemble avec des étudiants, ensemble avec nos collaborateurs, des autres dessins d'une telle taille. C'est pas seulement pour avoir un grand taille, mais pour surtout trouver une manière de lier des projets dans leur contexte, mais aussi des autres projets l'un avec l'autre. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va annoncer dans quelques mois et on invite n'importe qui est intéressé de nous accompagner dans ce projet de Drawing Cabinet. Merci à vous, parce qu'on est très content d'avoir accueilli ce premier dessin. On a hâte de découvrir les prochains. C'est difficile à comprendre, Mathieu. Oui, on ne vous comprend pas. Donc, à très bientôt. Okay. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.